m'appelle Rabehi Abdelkarim, je viens de Roubaix, je suis dans la team AFC, team Talbi. Je suis excité de combattre pour un RS2, c'est un beau challenge, c'est une belle organisation, j'ai hâte d'y être. Le MMA, j'ai commencé en 2004, 2005. J'ai eu des périodes hautes, des périodes creuses. C'est un sport que j'aime, j'ai toujours aimé le sport de combat. Petit, j'ai fait de la boxe anglaise. J'ai fait de l'aïkido aussi, quand j'étais vraiment petit. J'ai joué un peu au foot. Dès que j'ai connu le MMA, j'ai pu lâcher, je suis resté dedans. Et j'aime bien combattre. Je m'entraîne avec ma team, c'est une bonne prépa. Je vais au crossfit aussi, j'essaie d'aller le matin après le travail. Ma motivation aujourd'hui, c'est le challenge, c'est aller plus loin, toujours plus loin. Affronter des gars de haut niveau. Et voilà. Karim, c'est quelqu'un d'assez complet. C'est quelqu'un de très calme. C'est quelqu'un qui reste peu dans le combat. Il peut surprendre à tout moment dans n'importe quelle discipline, que ce soit en boxe, que ce soit au sol. Même en lutte, il est assez complet. Donc, c'est ce que l'on peut retirer de Karim, une force tranquille. Karim, c'est un gars qui sait rester calme. C'est une personne aussi qui, au sol, a certaines facilités à soumettre et à prendre les positions. Quand je regarde les vidéos, un gars assez explosif, toujours en mouvement, face à un Karim qui sera toujours réfléchi. L'issue du combat, pour moi, une soumission de Karim, que ce soit sur un étranglement ou un beau bravo. Il n'y a aucune différence, il y a deux bras, il y a deux mains, il y a deux pieds comme moi. C'est juste celui qui sera en forme ce jour-là gagnera le combat, c'est tout. De toute façon, j'ai rien à perdre, moi je vais combattre, je le combat, je combats n'importe qui, il n'y a pas de problème. Et on verra le jour J.